Alors bonjour La Réunion, bonjour à toutes, bonjour comment il est. Un petit direct est prévu parce que ce matin nous sommes sur notre lieu de travail, c'est-à-dire nous sommes au bord de la rivière, au bord de mer, rivière, donc là où on a lieu la pêche des bichiques. Et me rappelle que ce parcours de la rivière des Roches Prapanon est un parcours de santé. Où ça nous retrouve pas mal de personnes âgées qui font leur petite marche, pas mal de personnes de Prapanon, Saint-Benoît qui rejoint la rive et tout. Et nous, les pêcheurs, enfin les pêcheurs, moins bazardier, et Lina, les pêcheurs qui est là. Donc, du coup, il y a pas vraiment catastrophe ce matin. Il y a moins l'ismé, il faut te sonner parce qu'en fin de compte, vous allez coincer pour votre travail parce que Lina est beau peu touriste, elle est beau peu oreille, il faut dire comme il est, toutes oreilles. La Installazote en caravane, en tente, mieux que pas ça, tu vois, il y a moins, mais ça pas filmé de près parce que ça pas filme les gens. Donc, elle est installée en tente. Et le pire dans tout ça, c'est que bonne pêcheur, elle était un petit peu contrariée parce que, regarde ma tenue, pas ça t'y voir. Elle est en pantalon, t-shirt, chapeau, correct, c'est-à-dire devant nos anciens. Nous avons une tenue correcte. Et elle rentre dans la rivière, que ce soit boug, femme, bonne touriste. Hein. Elle n'avait rien à foutre devant toute ma maille. Elle a baigné tout nu. Elle ne me dit pas en maillot de bain, ne me dit pas en short, mais elle a baigné tout nu. C'est-à-dire que le bonne pêcheur, elle était... franchement exaspéré, c'est à dire que bonne touriste là, ils permettent à eux de tout à la Réunion, donc il fait ce que eux ils veulent. Là, pour personne, ni des autres rien. Si moi, ménage juste un petit souvenir, monsieur Jannick Atchapal a fait installer un panneau sur toutes les de l'héberge de camping de la rivière des Roches, interdisant le réunionnais de faire un pique-nique, de poser des tentes, et encore pire, il allume de feu en bord de rivière. Vous en avez des petits coins feu, mais il n'est pas filmé pour l'instant parce que elle est à côté de moi. Vous êtes allume de feu, c'est-à-dire en ce moment, nous sommes en période sèche. De feu peut prendre partout. Regarde, que passe ça, tu vois comment les secs partout autour de nous. Donc, ce bonnes oreilles-là, il allume de feu. Il installe l'azote. Donc, pas besoin pour les touristes, pas besoin de payer l'hôtel. Donc, le tourisme à la Réunion, tout le monde y fait ce que ça, tu veux. Et là, il faut, franchement, il parle avec ça. Bonhomme, il marche tout le monde. Moi, je viens travailler en tant que madame. Moi, les cagoulés, je dis, franchement, moi, les. De la tête jusqu'aux pieds, mais un respect pour les pêcheurs, mais il vient pas là en petit short, mais il vient pas là en petit débardeur. Azote pas là avec ça. Azote, il prend tout notre espace et il demande à moi pourquoi mes gars, moi, t'es là. C'est mon lieu de travail. Azote, il demande à nous pourquoi nous gars, nous, t'es là, nous gênes Azote. Il faudrait que Azote rappelle Azote quand même que Azote, il vient en vacances. Nous n'est pas contre le tourisme, surtout moins. Mais que vous allez quand même chez nous. Il y a quand même des traditions, il y a quand même des cultures à respecter. Ici, sur les berges de la rivière des Roches, ils baignent pas tout nu. Ici, il fait pas n'importe quoi. On respecte le monde. On respecte le bon pêcheur, il est là. On respecte le bon marcheur, bonne vieux personne, l'habitude de prendre le parcours de santé depuis Saint-Benoît jusqu'à Rivière des Roches, Prapanon. On respecte tout ça de monde, là. N'a pas avec ça, il fait la fête. Il pose à Zod. Donc, pas besoin de payer l'hôtel. Pas besoin de payer rien. Et ça, si c'était un créole, t'es fait. Parce que moi, il y a vient, ce monsieur Atchapa. Il a mis un panneau interdisant les réunionnais de pique-niquer. Hein, surtout s'il a point de kiosque, de pas utiliser. Les trucs, la pointe. Si la pointe est un endroit pour faire de feu. Donc, de ne pas faire le feu, ben là, je ne peux pas se mettre jusqu'à terre-bas. Je monte à Zot comme on allume de feu. Pas me casse ma gueule non plus. Ben là, elle allume de feu d'un tas de bois. Ça parle avec ça. Que là, après, ça m'a arraché. Ben là, elle est installée juste derrière. Que pas si ça, tu vois au loin là. La tente, la caravane et la toute. Dis ça, pas filme à Zot de près, mais filme pas la figure de monde. Tout ça pour dire à Zot que c'est un peu du n'importe quoi. Ce serait temps que M. Atchapa aussi. Et puis quand il lance sa police municipale, il lance tout son contrôle d'environnement. Ben, pour voir le pomme tyroïonner. Le tyroïonner n'a pas le droit à pique-niquer, nous. Hein. À nous, si nous a fait une affaire comme ça, nous mettons un temps, nous mettons un caravane, il fait des loges à nous tout de suite. Là, en plus, nous sommes sur un lieu de travail. On ne peut pas dire à nous que nous n'avons pas le droit. C'est vrai, c'est un domaine public, mais notre domaine public est déclaré, il est reconnu que nous travaillons là. Nous avons besoin de faire la pêche, nous ne même pas pêcher si jamais nous sommes dans le un tas de femmes ouais, bougent ensemble, mais ben, tout nu devant d'autres enfants. Ben, le papa tout nu, le femme tout nu, les enfants tout nu, tout dans la rivière. Mais, comprends, mais, on vient à un endroit où on a besoin de rafraîchir où? Ben, on garde un short, on garde un maillot de bain, un peu de décence et un peu de respect pour toutes les personnes là autour. Ben, ça, c'est pour nous, ça, ici. Ça, c'est pour nous. Ben, nous a fait comme ça, et pour nous. Ça, tellement, voir si mes gars de loin, comme ça, mais filme pas, banan. Hop. Si mes gars de loin, passe à autres les affaires. Ouais, ben elle est en camping. Elle n'a pas l'air que ça, Zot. Et là, toute bonne pêchée, elle est là. Là. Toute bonne, elle est coincée parce qu'en fait, elle dit, mais que ça, nous gagnons plus de travail.
de la dignité ici, la réunion les plus dignes, rien quoi. Bon, le caca devant, c'est les miennes, hein, quand il passe sac de monde. Maintenant, au fond, là-bas, et là, ça fait ce petit marche. Ça parle avec ça. Dommage que m'arrive un peu tard. Moi, professionnellement, je flou de cette mais je filmé à cette baignée tout nu, moi, devant nous. Ah oui? Après, respect pour le bon péché. Le bon péché, il trouve la détébilité, mais comment il fait? Comment nous travaille, toute bonne bougue, bonne femme tout nu? Et si tu as comme ça, ça ne peut pas regarder. Il risque à dire que c'est le rayonné, les PAV. Hein. Il regarde deux mondes baignés tout nu. Ah oui, il risque à accuser à nous, il dit c'est nous les PAV. Hein. Tout ça pour dire aux autres comme ça là que il faudrait quand même y arrêter un peu, il repose un peu le cadre comme qui dit, les conditions dans les conditions. Et il faudrait quand même que quand tu passes un temps et tu as dit le petit rayonné, fais son petit pique-nique, hein, fais son petit cuisine de bois, sur bord machin, vous êtes une attendance, vous êtes interdit de monde. Mais il faudrait quand même que tout le monde soit bien averti. Et un petit message aux touristes, quand tu viens chez nous, respecte à nous. Respecte notre condition, la bonne pêche, elle y arrive là-bas, mais elle ne connaît même pas ce qu'il faut faire. Respecte notre condition, respecte notre façon de vivre, de voir les choses. Parce que je ne peux pas débarquer sur notre territoire, foutre azote tout nu devant nous comme ça. Et là, c'est nous les gênés, c'est nous qui doit baisser la tête, c'est nous qui doit pas regarder azote. Et nous, là, pour travailler dans la rivière, nous, là, les gars. Ça, c'est notre travail, ça. Oh, parce que moi, il veut bien, mais je mon pin de merde, qu'on voit tout ça, la saloperie vient de jeter dedans, là. Mais comprends pas, c'est pas un lieu, la pointe. On peut pas camper quand la pointe est un lieu de toilette. La point un lieu, on s'est fait toilette, ben chier, donne, ça nous marche dans le chemin, dans notre sentier, ben chier partout, il jette papier toilette partout. La zone, si on m'y trouve pas, si on m'y trouve là, m'a fait photo, m'a mettre. Il faut arrêter de déconner, le touriste, il faut qu'il arrête de déconner. Là, le bon pêcheur là-bas, il vient. Ben allez déconcerter. Ben la chance, m'a pas trouvé aux autres. Bon, mais là, ces autres, ça cause un coup de banane. Mais il y a un retour de soleil que m'y voit pas là. Et après, m'a donné aux autres la suite. Ah oui, regarde, il y a des marcheurs, il y a des coureurs, il y a plein de choses, plein de gens qui viennent tout le temps sur le site. On ne peut pas baigner tout nu devant tout le monde. Arrêtez un peu. Donc, que ça va nous aurait les prendre nous pour créole, pour dernière race. Franchement, allez-nous à la trouve tout à l'heure.